Là, il est là, j'ai pas pris mon téléphone. Ah. Ouais, j'ai pas mis le retour. J'ai pas mis le retour. Caritas et la population. Parce que la population en fait donner les briques. Caritas a toujours mis le ciment pour monter la maison et la torture. Donc la maison n'appartient pas à l'église. Voilà. L'église, je sais pas, Caritas, c'est l'ensemble de l'église catholique où il y a des choses, je sais pas. Non, Caritas, c'est l'église. C'est ça, je dis. Quand vous dites, et la population. Oui, la population, c'est-à-dire Caritas. Les fidèles. J'étais encore de... Si tout le village, j'avais des briques à l'école là-bas, on avait demandé. Caritas voulait construire... une maison où on pouvait mettre les là. Donc, on pouvait vendre aussi les médicaments, c'était l'idée de Caritas. Sauf que. Ils ont construit. Ils ont construit, c'est-à-dire les briques. La population avait donné les briques, c'est-à-dire le village. Et Caritas peut monter la maison et peut tuer. Le présent de Bounou était mort. Le catéchiste c'était mort, le président aussi. Nous autres, là, nous avons grandi dans cette église. Et là, on a pu faire l'infirmerie. Oui, non, non, depuis, il n'y a rien. Depuis, vraiment, on avait tout. Parce qu'il y a un moment où même un monsieur venait s'intéresser. Il avait manqué les ouvertures. Là. Moi, j'avais ordonné, j'avais une scie, j'avais ordonné. Non, si la planche tout ça là pour mettre les ouvertures, sinon Caritas ça veut laisser. Donc ça c'est vous qui avez mis les ouvertures là. Donc là-bas, c'est là où Caritas les patients. Ici là on comptait, ici là on conservait les médicaments. Le médicament, c'est là-bas. Là, c'est un cerveau de malade. S'il y avait un malade, derrière là-bas, c'est la chambre du médecin. Du médecin. Ok. On repart, c'est bon. Là, derrière aussi, vous pouvez aussi filmer pour voir, parce que quand on repart, là, il y a des torts. Il y a une branche qui est venue couler parce que ça a été penché ici. Moi je me suis dit, si on met ce tas-là, il va pouvoir passer cette maison. J'avais demandé, le monsieur qui dort ici, là, je l'avais demandé, j'avais donné 2000. C'est ça, mais il faut monter une machine ici pour monter ça. Si on pouvait, tout avec la consommer, ça pouvait venir ici. Il fallait que
Le côté poussé. Il y a eu des branches. Il y a eu un moment donné, il n'y avait personne. On s'est dit, une maison non habitée, ça va s'abîmer comme ça. On avait demandé que les jeunes m'avaient consulté, ah chef, nous on veut. Il y a un moment, je l'ai redonné. Là, il y a eu l'abbé qui vient de sortir de l'Ouaka. Daniel qui voulait dire, ah, les jeunes ne peuvent pas continuer à dormir comme ça, s'ils peuvent voir, ils veulent que les choses règlent, mais sauf que les jeunes en question. Il n'a pas d'argent. Donc, mais il y a quand même une présence, il y a quand même quelqu'un qui vit. Il y a des gens qui vivent. C'est contrôlé par vous. Non. Ils entrent comme ça sans même qu'ils disent au chef. Je vous ai dit, nous, je dis, cette maison-là, au moment où le catéchisme était ici-là, c'est lui qui gérait tout. Il n'y avait aucune personne qui vivait. Il y a un certain moment où l'arbre bien là, fermait la maison, tout ça. C'est là où les jeunes m'ont dit, ah non, nous voulons pour nous aller nettoyer tout ça là. Est-ce qu'on ne peut pas aller, c'est là, j'ai dit non. Nettoyer, faites un peu l'entretien, conserver la maison. Donc, on se met tout le monde. Il y a une ou deux personnes qui vivent ici. Vous connaissez le nombre? Le nombre? Ah, les personnes qui vivent ici. Qui entretiennent ma maison, qui surveillent ma maison. Il peut y avoir même deux, trois ou quatre. C'est-à-dire que c'est des chiens qui viennent parfois, il y a des autres qui viennent dormir, après ils sont partis. Donc, donc il n'y a pas une personne fixe? La personne fixe, il est à Connor. Que vous connaissez quand même. Oui, la première, si j'ai un cas de malheur là. Non, on voulait seulement savoir ça, c'est une personne fixe. C'est toujours important. Vous avez bien fait, vraiment. Je suis obligé par ça, c'est vraiment. On regrettait à tout moment. Oui, mais je voudrais que du moment fort, que l'Église catholique puisse revenir, parce qu'à ce moment-là, l'Église n'est plus à du moment fort. Alors que c'était parmi les villages comptés dans le district. Les villages catholiques comptaient, parce qu'il y avait un programme même, après Kakamoka, Luaka, ce serait de Mangatwa pour construire une église à Mangatwa. Je ne sais pas jusqu'alors, comme l'autre était mort, le président de l'Église catholique était mort, le catéchiste aussi, et tout d'un coup, tout est. Il n'y a plus rien. Pauvre, c'est l'abbé qui était là, vraiment, sauf que. C'est un problème qu'il faut revoir. Merci papa chef. Je suis le chef du village de ce village. Comment vous appelez? Monsieur Eugène Gomatachi. Parmi ma mère aussi était même présidente de cette église. Ok. Nous avons participé. Ma mère était parmi les femmes qui ont travaillé vrai, pour l'Église catholique de Dimanche. Mon deuxième fils est même le prénom de Monseigneur Abel. J'avais donné mon premier fils. Mon deuxième fils. Merci, papa. Merci. Il y a vous tournez de Banga. Ok, merci beaucoup. On va visiter Kakamweka maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Thank you.
Bonjour. Bon Seigneur, là nous sommes à la communauté de Pachamouka qu'on a débaptisé Sainte-Marie, en fait sans patois. Et Monseigneur voudrait reprendre cette appellation Mamanzan, l'ancien catéchiste que le père Lestawa avait laissé. Il vivait ici, donc la tombe est quelque part là. Et quand l'abbé Mvombi est venu, il a récupéré le terrain. Et en 97, Monseigneur Makaya est venu poser la première pierre. En 98, là-bas, Ben, l'acteur de Monseigneur, à cette époque, durée du Mayon, a commencé les travaux de la construction de la chapelle. Et dans le projet, il était prévu de construire une bonne foi et le presbytère. Il me semblerait que les moyens ont fait des choix. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a un presbytère provisoire construit en planche dure. Voilà. Donc les missionnaires ont vécu ici, le père Lestawa, le père Le Borne, Joseph Le Borne. Et puis après leur départ, il y a eu vraiment un temps mort, près de 30 ans. Et ce sont les catéchistes qui étaient en train d'animer les communautés jusqu'à la reprise dans les années 92, après l'ordination de la Bible. Et nous avons un grand espace. On peut estimer au moins à 14 hectares. On est séparé de deux rivières. En venant là, nous avons dépassé une rivière. C'est là où on trouve les limites. Et en allant vers... Parce que le grand village, c'est devant. En allant vers le poste là-bas, il y a aussi une rivière. Et tout ça, jusqu'à là-haut, là-bas, c'est pour l'église. À l'époque, il y avait une société qui voulait exploiter en haut, là-bas. On les avait arrêtés parce que c'est le territoire de l'église. Exploiter quoi? Et ils faisaient des recherches. Dans les estimations, on voulait même nous déloger, mais la Bémoumi n'avait pas accepté. Il a dit, c'est un terrain historique, voilà, on ne peut pas aller ailleurs. On est très heureux d'être ici. Voir cette œuvre de l'évangélisation de nos aînés. La grande joie, c'est que notre actuel archevêque, lui-même, il a annoncé l'évangile sur ces terres. Et donc, il connaît la situation, il connaît tout ce qu'il faut. Et à sa suite, nous tous, nous travaillerons. Puisse relever le défi de l'annonce de l'évangile, et surtout de la présence et de la proximité de l'Église, par ce prêtre, par des œuvres sociales. Et comme ça, avec ces œuvres, les gens viendront. L'évangile ne sera pas seulement écouté, mais vécu. L'évangile sera aussi une réalité, parce que proche des personnes sont malades, qui ont besoin d'information, de formation, d'éducation. Les œuvres éducatives, ces œuvres de santé, les besoins primaires, parfois où l'État n'est pas là, l'Église peut toujours et doit rendre l'Évangile plus réel et plus vrai. Merci. Après ici, on est allé inaugurer à Louvoulou, parce que c'est des travaux qui se faisaient au même moment, ici à Louvoulou et à Madingokai. C'est à Madingokai qu'on a clôturé en 2003, tout de suite après l'inauguration,
le curé s'est envolé pour l'Europe, les études. Donc c'est l'œuvre de Monseigneur Abel à cette époque, curé du grand secteur, parce que le secteur couvrait le district de Madimokai, le district de Kakamoka et de Nzanga. À l'époque, c'est un seul et même prêtre qui couvrait. Donc, on faisait la ronde. D'après ce que les aînés nous disent, la vision des missionnaires, c'était celle d'installer une communauté religieuse. Voilà pourquoi ils ont pensé avoir un grand espace. Un grand espace. Que les religieux devaient s'installer, regarder comment former les jeunes filles mères. Ça, c'est le presbytère de Kakamoka pour construction. Donc, le moment important, il y aura le finissant. Voilà. Donc, ça, c'est une pièce. Donc, c'est le même plan avec le presbytère de Luaka. Le même plan. Voilà. Mais la différence, c'est que ici, c'est plus vaste par rapport au presbytère de Kakamoka. C'est plus vaste. Donc, Pama, ça c'est le représentant. Donc, Niante vicaire général, vous voyez de quoi l'abbé Alain n'a crié sur roi, tout le monde y a remplacé place à l'abbé Alain n'a crié sur roi. Donc, Niante Kuikuma, donc Niante Kuikuma, ensemble, on a cru vendre ça. Tata Rostan, qui vient me remplacer là-bas à Belle. L'abbé Daniel plutôt. Toujours. La joie de l'émotion. Quand on disait Mobutu, la joie de l'émotion. La joie de l'émotion. Donc, Nian va me filer ça, ça m'a occupé ça. Liboun d'Abed, Nakzon Abed, à partir, il y a Kiloum, il y a Boubien, il y a Kedia fait l'abbé Daniel, il y a me comme l'abbé Rostan. Donc, Nian, le vicaire général d'Abed, donc partout. La place à Monseigneur, s'il y a un Monseigneur, il veut n'y a qu'un représentant de Monseigneur, remplacer à rien. Donc, il y a un qui est accordé à rien. Il y a un mec qui est généreux. Mais, c'est Grégal. Je vais présenter mes doyens à doyens. Mais parfois, je vais me dire. Non, C'est un peu plus. Peut-être il y a mes peuples, il y a secteur, il y a Betia. Moulinzon Koulou, il y a mes peuples, il y a secteur, il y a Betia.
C'est le premier prêtre dans le district de Kakamoka. Donc, Niyande. Donc, Niyande, je suis à Monseigneur Abete Abel, maison à Vicaire. Je suis à Monseigneur Abel, mais je suis à Monseigneur Abel, mais je suis à Monseigneur Abel, mais je suis donc, il y a un peu de il me dit que dire quoi quoi bête metang la bête Daniel na mani bête metang la bête na papa pama parce que papa pama kulut même ya la bête Daniel na kati ya kwako na kati ya luaka na bête Daniel me kwenda papa pama me bikana na bisalu zole bisala l'école bisala ya mambi anga na tata nzambe donc na kuzonze que non doit me bikana bête na bisala tata nzambe ni tata pama na kada évangélisation donc ba yen na kuiza kutana kaka ni yani kwa donc voilà peut-être à propos yandange mesaba ba ndio sukwange mesaba ah yandaye yande directeur à Malmal et imprimerie la diocèse donc yande parce que ba livre à betuna parce que tanga na l'église ba programme quelle édition donc quelle édition yande donc, moi, c'est l'idée, tel verset biblique, mais que tant. Donc, ma livre. Okay. Cette fois-ci, tu as bien parlé. Jamais homme n'a parlé comme toi. Merci la famille. Mais là, avec le nouveau curé aussi, toi, tu as laissé l'abbé Daniel. Mais monseigneur, tu as laissé l'abbé Abel prêtre. Et Rome a fait de lui évêque. Et puis il a nommé un nouveau curé qui a remplacé l'abbé Daniel. C'est l'abbé Rosson. Il viendra de temps en temps prier sur ta tombe. Voilà. Venez ici. Il y a l'abbé Anissé qui est là. Que tu as laissé ta gère qui est maintenant prête. C'est là. L'abbé Éminence aussi. Et aujourd'hui, c'est le responsable, c'est le doyen du Mayom. L'abbé Potin aussi. Hein. L'abbé Potin aussi. L'abbé Potin aussi, il est là. On a réclamé. C'est le vicaire de la paroisse. La paroisse, avec la mission de préparer la paroisse de Kakamoka. Nous sommes contents parce que c'est ici que le vicaire, nouveau vicaire général a fait sa toute première sortie dans le Mayom. Il est venu prier sur ta tombe, se saluer, se recueillir sur ta tombe et puis demander ton intercession. Parce que tu as été un grand vétéran pour le Mayom, un grand passionné de l'évangélisation. Pendant beaucoup d'années, tu as tenu la flamme des communautés de la zone du Mayom Nord. Il ne faut plus penser à l'abbé Daniel, il a été appelé à d'autres missions. Aujourd'hui, c'est l'abbé Roston qui est là, qui va continuer la mission. On ne t'a pas oublié, on prie pour toi. Nous espérions que là où tu es, tu prieras aussi pour nous. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Mikolominae, O maboko mamokonzi, akolikyanae, Mikolominae, O maboko mamokonzi, akolikyanae. Mokonzi na kokima epaya yo, na yo kasoni mokolo mokote, mikolo mingae. O maboko mamokonzi, akolika nae. Grâce d'annoncer l'évangile qu'il a donné à notre papa, notre frère, papa Félicien, notre frère dans la foi, dans l'annonce de l'évangile à la suite du Christ, disciple du Christ. Que cette flamme, que cette ardeur d'annoncer l'évangile qu'il a eu au-delà de toutes les péripéties, de toutes les souffrances, de toutes les difficultés qu'il a eu à vivre pour cette mission. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus faciles, mais dans leur temps, ils ont vécu beaucoup de choses. Que cette ardeur, que cette ténacité, que ce courage, mais surtout cet amour pour notre peuple, resplendisse aussi dans nos vies. Chaque jour, partout où nous sommes, sur cette terre de nos ancêtres, de nos parents, de nos familles, de notre église locale, afin que nous aussi, nous soyons capables de faire arriver le Christ au cœur de nos frères et sœurs, les hommes qui ont tant besoin d'un monde différent, d'une humanité plus vraie, plus réelle, plus concrète, plus Comme bon, il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Kasi chivu kuchito, mende na metosila. Mama rinje tu tela mineje, mami tuje mama. Mama rinje tu tela mine, tu kebe molo zingu. Les âmes des fidèles de femmes reposent en paix. Amen. Les âmes des fidèles de femmes reposent en paix. Amen. Les âmes des fidèles de toi reposent en paix. Amen. Merci. On est en train de voir. Je vais vous donner un peu de temps.
Non, je parle de Valdas. Valdas. Non, il pas la même promotion. Pas la même promotion. J'étais plus vieux. Mais Valdas encore. Valdas. C'est jeune. Monseigneur, même il a commencé à enseigner la catéchèse en 55. Le général, il n'y a que des affaires à coffre, il n'y a qu'à appuyer là-bas. Parce que ça l'a appuyé. La paroisse, l'église évangélique. Et notre frère là, qui est là, c'est la paroisse qui condamne la langue locale dans les Bon, ben, on vient de visiter la tombe de Papa Félicien, un ancien catéchiste de la zone du Mayon, qui était décédé il y a de cela plus de 4 ans. En fait, c'est un vétéran, parce que à l'absence des missionnaires, c'est lui qui a tenu la flamme de la communauté de l'Ouaka. Plus de 30 ans, il n'y avait plus de prêtres, de présence de prêtres, mais lui, il a tenu l'église. Jusqu'à ce que, aux années 90, où les diocésains ont repris la mission, et on peut dire que grâce à lui, que nous avons aujourd'hui ce bijou-là. Parce que si lui n'était pas là, aujourd'hui, les prêtres devraient avoir beaucoup de difficultés. En fait, il est catéchiste depuis les années 55. Donc, il a vu le père Joseph Le Borgne. Et dans son historique, il nous disait qu'il devrait être ordonné prêtre. Il était même au séminaire. Mais ce sont les parents qui ont fait qu'il ne poursuit plus le processus.
mais il a gardé sa foi catholique jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, profitant de la présence du vicaire général, nous sommes allés prier sur sa tombe. Et du temps de l'abbé Joachim, et Monseigneur Abel, à cette époque-là, curé de la zone unique du Mayom, parce qu'à l'époque, c'est le même prêtre qui faisait la boucle. Donc, Madingokai, Nzambi et Kakamoka. Aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs, Dieu merci, parce que les choses évoluent. Mais à l'époque, c'est le même prêtre. Donc, à table, il disait toujours à Monseigneur Abel, « Ah, mais ne sois pas surpris si un jour Rome ferait de vous un évêque. » Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Bien qu'il ne soit plus en vie, mais la grâce a fait qu'aujourd'hui, c'est Monseigneur Abel que nous avons comme évêque. Donc, lui, il a laissé l'abbé Daniel comme curé. Aujourd'hui, c'est l'abbé Rostand que Monseigneur a nommé comme curé. Il fallait bien qu'on aille communier avec lui, lui dire que ce n'est plus l'abbé Daniel, c'est l'abbé Rostand. Nous osons croire que là où il est, il va continuer à intercéder, à mener le combat du développement, parce que lui, il a beaucoup lutté pour ça. Il a beaucoup prié, et aujourd'hui, nous sentons les signes. Abbé Joachim, et ma vocation est née entre ses mains. C'est lui qui a couvé ma vocation. Et tout jeune, il m'a encouragé, il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a rassuré et il m'a fortifié. Voilà, aujourd'hui je suis prêtre, je peux dire que c'est grâce à lui. Un doyen qu'on trouvait toujours là. Et quand vous arrivez, c'est une joie qui vous communique. Et on ne se plaignait pas. Il était curé d'ici, dans tous ces secteurs.